Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Furax BFX. Aujourd'hui, petite balade en enduro avec la famille et les potes au milieu du bois, chez moi, dans le sud-ouest. Alors des petits itinéraires comme celui-ci, on en trouve pas mal. Alors je sais que les vidéos ont tendance à casser le relief qu'il y a, mais relief il y a. Là, ça grimpe, par exemple. C'est super sympa. Là, ce sont les quatre. Alors, bien sûr, 3 gaz-gaz, 300 et 125 husky de la vieille Brel. Là, par exemple, ça grimpe. Et on passe un excellent moment. Je vais voir pour faire une vidéo avec un montage pour vous montrer tout ça. Là, je buffle. Parce que ça grimpe. Voilà. L'enduro, c'est vraiment quelque chose de super sympa que j'ai découvert il y a peu de temps. Alors, je dis l'enduro, moi j'appelle ça de la moto verte pour moi. Mais c'est super sympa. C'est, comment dire, c'est des moments partagés avec les potes où on s'éclate vraiment. On se lance des petits défis, même si les défis sont petits. On se lance des défis, on va dans des endroits eh bien, que l'on ne voit pas depuis la route, c'est-à-dire qu'on découvre en fait notre région. Et des fois, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, même autour de chez vous, en faisant de l'enduro, vous découvrez des endroits que vous ne connaissez pas. Tout en sachant qu'il faut quand même respecter au maximum ce qui est propriété privée ou autre, car bien sûr, sinon vous allez vous faire allumer, ne jamais être agressif, que ce soit avec les chasseurs ou les viticulteurs. Là, la période de chasse n'est pas encore ouverte. Et puis surtout, on n'est pas là pour labourer. Tout labourer, on n'est pas des crosseux, on est des enduristes. Là, vous voyez les racines et tout, là ça grimpe. Et puis voilà. Et puis on sort vite des bois. Bonjour, bonjour. On sort vite des bois pour se retrouver, je dirais pas où, mais chez nous dans le sud-ouest, avec de la vigne. Comme je disais, gaz-gaz 300, husky 125, ma gaz-gaz et sa petite sœur à côté, des 300. Ça va les gars? On n'est plus très frais, on n'a pas 20 ans quoi. Et on est tous... des années cassoulées, ouais. Voilà, mais sinon on s'éclate. N'hésitez pas à liker, vous abonner, je ferai une autre vidéo prochainement pour vous présenter, je ne dis pas le modèle, mais vous allez vite comprendre, une voiture électrique américaine qui marche super bien. Ciao, ciao à tous.